Ivoiriens et Ivoiriennes, mes chers compatriotes, bonne heureuse année 2021 à toutes les familles ivoiriennes, à toutes les Ivoiriennes, à toutes les Ivoiriennes. Je souhaite une très bonne heureuse année 2021. L'année 2020 qui s'est écoulée a bouleversé notre nation. En tant que président du RPCIAC, l'un des leaders de la nation ivoirienne, je me tiens devant vous pour saluer chaleureusement du fond de mon cœur le vaillant peuple de Côte d'Ivoire qui s'est battu de manière héroïque pour défendre sa constitution, l'âme de la nation. Ivoirien, Ivoirien, mes chers compatriotes, le 31 octobre 2020, il n'y a pas eu d'élection présidentielle car le peuple de Côte d'Ivoire s'est soulevé massivement comme un seul homme pour faire barrage à la forfaiture d'Alassane Ouattara, à l'imposture. À 99%, cette élection n'a pas eu lieu. Dans toutes les villes, dans tous les hameaux, dans tous les campements, le peuple de Côte d'Ivoire est sorti massivement pour dire non à l'imposture. Le monde entier a pu le constater, a pu le vérifier dès par lui-même. Alassane Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire, car les Ivoiriens ne l'ont pas élu. Peuple de Côte d'Ivoire, je me tiens devant vous pour pleurer avec vous, les victimes de cette barbarie. La répression féroce dont a été victime le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple juste qui défendait une cause juste, celle de sa constitution. 200 de nos compatriotes sont morts, tombés par les balles, par les machettes, par les gourdins de l'armée de Alassane Ouattara, des milices de Alassane Ouattara, microbes. Que leur âme repose en paix. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant se souvienne d'eux. Ivoiriens et Ivoiriennes, mes chers compatriotes, je tiens à vous dire solennellement que le sang des Ivoiriens versé pour défendre la Constitution n'est pas versé en vain. Je tiens à vous rassurer que ce sang versé a délivré la Côte d'Ivoire de l'imposture, de la dictature. Tous les actes anticonstitutionnels posés par Alassane Ouattara n'auront aucun effet, ne donneront rien, car la Côte d'Ivoire est délivrée, la Côte d'Ivoire est libérée. Le sang de ses enfants a été versé pour sa délivrance, sa libération totale. Jésus-Christ est tombé à la croix en versant son sang pour libérer le monde, pour sauver le monde. Le peuple vaillant de Côte d'Ivoire a versé son sang pour que nous serons délivrés. Je vous déclare, je vous le dis avec conviction, avec force, que la Côte d'Ivoire est délivrée de l'imposture. Les actes d'imposture de la Côte d'Ivoire ne donneront rien, n'aboutiront à rien. Je vous dis, 2021 est porteur d'une année d'espérance, car la prochaine élection présidentielle se tiendra en 2021. Et pour vous dire ma conviction totale, je vous annonce dès cet instant ma candidature à l'élection présidentielle de 2021, car elle aura bel et bien lieu. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2020, car ça ne débutera jamais un troisième mandat. Ce qui se passe, ce n'est pas un troisième mandat. C'est du gangstérisme, c'est du brigandage. Même l'opinion internationale, le peuple de Côte d'Ivoire, personne ne le reconnaît. Cela ne prospérera pas du tout. Certains veulent tourner la page du sang versé par le peuple de Côte d'Ivoire. Souvenez-vous en 2011, quand Laurent Gbagbo avait été emprisonné, incarcéré à la Cour pénale internationale, beaucoup voulaient tourner la page de Laurent Gbagbo. Nous avons dit non. Laurent Gbagbo, c'est la page. Blé Goudé, c'est la page. Le temps nous a donné raison. Laurent Gbagbo a été blanchi, acquitté. Et ceux qui ont voulu tourner la page nous ont rejoints dans le combat. Ivoiriens, Ivoiriens, mes chers compatriotes, 2021, c'est l'année de l'espoir, c'est l'année de la reconquête, c'est l'année de la souveraineté, c'est l'année de la libération. Car les Ivoiriens ont démontré qu'ils voulaient la paix, qu'ils voulaient vivre en paix, qui voulait vivre en cohésion. Aujourd'hui, on sait le problème de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne veut pas la paix, ne veut pas le bien de la Côte d'Ivoire, il veut détruire la Côte d'Ivoire. Mais il sera stoppé. Là où la justice des hommes faillit, rentre en scène la justice divine.
Je vous le déclare, je vous le dis. L'éternel Dieu Tout-Puissant se tient aux côtés du peuple souverain de Côte d'Ivoire dans sa justice, dans sa quête pour la justice, de sa souveraineté, du respect de sa constitution. C'est le plan de l'éternel qui s'accomplit en Côte d'Ivoire dès cet instant et qui conduira la Côte d'Ivoire vers des verts pâturages en 2021 avec une élection présidentielle véritablement libre, équitable et transparente avec tout le monde qui veut être candidat dans le respect de la constitution et des valeurs de la République de Côte d'Ivoire. Ivoirien, Ivoirien, c'est un moment solennel, c'est un moment de mettre sur, c'est un moment où nous pensons encore nos plaies, c'est un moment où la nation pleure encore ses morts. Les évêques de Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu, ne reconnaissent pas la Saint-Valentin comme président. Ils ne se sont pas rendus à son investiture, quoi qu'ils aient été invités. Ils portent la parole de Dieu Tout-Puissant, la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu ne reconnaît pas la Saint-Valentin comme président. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et vous verrez très bientôt, de vos propres yeux, la délivrance de la Côte d'Ivoire que moi j'ai vue de mes propres yeux. Ivoirien, Ivoirien, mes chers compatriotes, bonne heureuse année 2021. Santé, bonheur, prospérité à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens. Dans vos villes, dans vos hameaux, dans vos familles. Je me tiens près de vous pour vous dire, la Côte d'Ivoire ne sombrera pas. La Côte d'Ivoire sera debout. Et la Côte d'Ivoire vaincra l'imposture. Je vous déclare la fin de l'imposture dès cet instant du troisième mandat de la Sumatra. Cela ne prospérera point du tout. La Sumatra sera chassée très très bientôt du pouvoir. Vous le verrez de vos propres yeux. Je vous remercie pour le Côte d'Ivoire. Bonne fête, bonne heureuse année.